Le pied gauche bien à plat sur le sol et le pied droit. Voilà, donc je vais fermer les yeux et je vais me laisser guider. Voilà, je ferme les yeux, je m'installe confortablement. Voilà, en plaçant le dos bien droit, la tête bien droite. Je peux placer mes mains devant moi, les paumes vers le haut, soit sur la table, soit sur mes cuisses. Je ferme les yeux. Voilà, et pour l'instant, je vais simplement observer ma respiration. L'inspiration. Suivi de l'expiration. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Et je pense à chaque personne ici présente se relie à sa propre respiration, à son souffle de vie. Ce souffle qui nous anime de notre vie, de nos vies. Voilà, et en même temps, nous nous relions par cette respiration. Peu à peu, je vais ralentir mon rythme respiratoire. Je vais inspirer plus longtemps. Et expirer plus longtemps. Et en entrant de manière plus profonde dans ma respiration, je me relie à cet air que j'inspire, qui entre à l'intérieur de mon corps jusqu'à mon ventre, et à ce même air que j'expire de mon ventre. Et je peux, si je le désire, choisir une couleur de détente, de relaxation et une couleur de purification. La couleur de détente qui me vient, c'est le bleu ciel, et la couleur de purification, comme le citron, c'est la couleur jaune. Alors je vais inspirer ce bleu et ce jaune. Et l'expirer. Et nous pouvons nous voir en alliance humaine, où chaque personne ici présente, nous sommes à peu près 70, le 7 c'est le spirituel, le 0 la matrice, le cercle. J'invite chaque personne à prendre conscience de cette respiration à la fois unitaire, la 70, et cette respiration de chacune et chacun de nous. J'inspire le bleu et le jaune. Et
J'expire le bleu et le jaune. Et je demande à recevoir toutes les qualités énergétiques de ces deux couleurs. Et je demande à ce qu'elles s'intensifient à chaque inspiration nouvelle, ensemble. Et je demande à recevoir les effets vibratoires de chacune de ces couleurs jusqu'à mon noyau cellulaire dans toutes mes cellules. Et maintenant, j'appelle mon âme, j'appelle, je suis Marie-Pierre et j'invite chaque personne à faire la même chose oralement chez elle, si vous désirez. J'appelle, je suis Marie-Pierre. J'appelle tous les guides d'amour et de lumière. J'appelle les guides protecteurs. J'appelle les guides guérisseurs. Et je leur demande d'entrer dans mon aura. Voilà, chacune et chacun étant en alliance. Nous pouvons appeler l'esprit solaire, l'esprit de Ra, en imaginant ce soleil loin au-dessus de nous, qui va former comme un cône au-dessus de nous, et sachant que nous sommes placés en alliance. Et à chaque expiration, je vais demander, je dis je, mais c'est chaque personne ici présente, je demande à ce qu'un rayon or se manifeste depuis le soleil de manière quasi verticale. À chaque expiration nouvelle, ce rayon va descendre au-dessus de moi, donc au-dessus de nous. Jusqu'à venir se placer à peu près à 50 cm au-dessus de ma tête. Et je prends le temps de ressentir l'activation de ce rayon or. Voilà, et je vais visualiser une étoile d'or qui représentera l'étoile de mon âme, une parcelle de mon âme, et je vais demander à ce que ce rayon or vienne éclairer et faire scintiller mon étoile, mon âme. Et à l'intérieur de cette étoile, je vois s'inscrire « Je suis » avec mon prénom. Ma date de naissance. Mon numéro de chemin de vie. Et
et je pose l'intention pour ce qui me concerne d'un renforcement de mes défenses immunitaires. D'une activation de la présence des guides, et d'une activation de ma force de vie que va générer ce rayon or. Voilà, et je demande l'activation de cette étoile qui va commencer à tourner pour chacune et chacun de nous. Voilà, et ce rayon descend progressivement, il va venir se placer juste au-dessus de mon chakra coronal. Je peux le voir pour moi et je peux le voir pour tous les autres en alliance. Voilà, et maintenant je demande l'activation de mon chakra coronal par cet or. À la fois, ce rayon or va descendre à l'intérieur de ma tête par le chakra coronal et aussi tout autour de mon cerveau. Voilà, comme une substance or qui va couler. Voilà, tout autour sur mon cuir chevelu. Le front. Tout autour de la tête progressivement. Et en même temps, ce rayon descend jusqu'au niveau de mon sixième chakra à l'intérieur de la tête pour arriver au niveau de la glande pinéale. Voilà, cette substance descend tout autour de ma tête pour venir entourer mon cuir chevelu, mon front, mes tempes, tous ensemble, mes paupières, mes yeux. Voilà, ça tourne en même temps. Mon nez, mes joues. Mes oreilles. Ça descend au niveau de ma tête. Cuir chevelu est presque complètement imprégné, pelliculé de cet or, de cette substance or. Mes lèvres, mes joues. Mon menton, voilà tout mon visage, protection, renforcement, et en même temps le rayon au centre va venir aider ma glande pinéale à se purifier, à se remplir de cet or. Voilà, et ce rayon continue à descendre pour qu'en même temps, à l'extérieur et à l'intérieur, tout arrive au niveau de la gorge. Et progressivement, c'est l'avant, l'arrière, la gauche, la droite de la gorge. Et je peux demander une intensification en lien avec ce qui se passe. À l'intérieur de la gorge, ce rayon qui descend progressivement. Je peux voir une sphère en or qui commence à tourner au centre de la gorge pour venir tout balayer, tout purifier. Tout renforcer au niveau de la gorge. Je m'entoure de cette substance or tout autour de la gorge, à l'intérieur de la gorge. Je sais que c'est essentiel, que c'est important.
Voilà, et je demande à ce que toutes les pollutions, y compris les non-dits, les mots MAUX, soient complètement balayées par cet or qui coule à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, et tout doucement, je ressens ce qui se passe comme une ouverture. Je peux même ouvrir les épaules progressivement. Voilà, et ça continue à descendre au niveau des épaules, le dessus des épaules. J'entre dans ce bain au niveau de tout l'extérieur du corps et l'intérieur de ce rayon qui continue à descendre. Voilà, et ça arrive juste au niveau, à hauteur du thymus, au centre de la poitrine, le siège de défense immunitaire. Je peux, si je le désire, placer l'index au niveau du thymus en demandant le renforcement de cette zone et en demandant au guide de lumière de venir se placer tout autour de moi et de m'aider à recevoir cet or, cette purification. Voilà, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, progressivement, en même temps. Voilà, et ça vient toucher au niveau du thymus, et je peux même placer mes deux index au niveau du thymus en demandant le renforcement de cette zone, comme une irradiation d'or. Et que cette irradiation d'or soit la plus permanente possible. Elle agit de manière sphérique, comme un soleil d'or, dans toutes les directions. Et ensemble, nous pouvons nous voir avec cette sphère or qui agit dans toutes les directions. Et nous pouvons demander à ce que cela agisse sur les personnes autour de nous. Et nous pouvons visualiser d'autres personnes que nous connaissons, ça peut être des personnes de notre famille, des amis, qui viennent se placer aussi de cette manière-là, celles qui ne peuvent pas être présentes là, maintenant. Voilà, visualiser au centre de leur thymus, cette même sphère or, ce soleil d'or, qui va rayonner tout autour. Et venir les renforcer dans leur état de santé, de bonne santé. Pensez à vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, si vous le désirez. Et au centre de cette sphère, je peux voir le mot en bonne santé, le mot amour, inscrire. Voilà, c'est comme un nouveau tissu entre nous qui nous aide à rester dans ces défenses immunitaires. Voilà, et je sens ce qui se passe dans mon corps, dans tout le haut du corps. Je remercie. Je prends soin de moi et soin des autres. Voilà, et je peux voir des personnes tout autour de moi retrouver le sourire, la santé, se
te sentir en bonheur parce que ça fait partie aussi de cette vibration d'amour, de joie qui va aider pour ces défenses immunitaires, notre terre, notre corps. Voilà, et on va continuer à laisser descendre ce processus en replaçant nos mains devant nous. Voilà, je place mes mains, les paumes vers le haut devant moi et je ressens maintenant la présence. Ça peut être un disque solaire pour certaines personnes qui est descendu. Voilà, et je continue à ressentir, à voir toute cette substance or continue à descendre au niveau de toute la poitrine, le haut du dos. Le côté du tronc. Et ce rayon or de l'intérieur descend du thymus vers le plexus solaire progressivement pour venir dissoudre tous ces glaçons, toutes ces émotions qui ont pu me fragiliser. Voilà, et je demande à ce que toutes ces émotions se transforment en joie, en bonheur d'être en vie ici, tous ensemble. Voilà, à l'intérieur, à l'extérieur, je sais que c'est aussi cette chaleur qui me permet de rester en vie. Voilà, et je continue à ressentir, à voir ce rayon qui continue à descendre. Le milieu du dos, le bas du dos, tout autour de mon corps, sur ma peau, le ventre. Et je peux même demander à ce que cet or aille au niveau de mes reins et au-dessus des reins pour venir régler tout cet espace au-dessus des reins, les glandes surrénales. Le siège des peurs, les reins, et aussi tous les organes maintenant à l'intérieur de mon ventre, de mon corps. Je peux les nommer intérieurement. Voilà, et tout cet or vient aussi tapisser mon ventre, l'arrière, le bas du dos, le côté. Voilà, et ce rayon continue à descendre. Il vient pulvériser tout ce qui me fragilisait dans toutes mes cellules. Voilà, il continue à descendre au niveau du deuxième chakra, le chakra sacré, le chakra sexuel, relié à ma conception. Voilà, et je demande à ce que cet or vienne purifier et renforcer ma conception, ma créativité, ma co-création, en ressentant, en voyant cet or qui vient se diffuser juste à cet endroit-là. Dans mon bassin, bassin. Voilà, et venir purifier toute cette zone de mon bassin. Les fessiers. Pour arriver maintenant au chakra racine, à l'entrejambe, ce qui me relie à mon je vis. Et je peux ressentir comme un renforcement général de tout le haut de mon corps jusqu'à l'endroit du chakra racine. Je vous le dis parce que je le ressens.
Voilà, et ce rayon or sort de l'entrejambe. Et cet or vient maintenant entourer mes cuisses, mes genoux. Il continue à descendre mes mollets, mes tibias. Voilà, mes chevilles. En venant balayer peut-être d'autres vies aussi, en lien avec mes chevilles. Cet or qui entoure mes chevilles. Voilà, on arrive au niveau des pieds, le dessus des pieds. Gros orteil. Deuxième. Troisième, quatrième, cinquième des deux pieds, les talons, voilà le dessous des pieds, ma prise de terre par les racines qui sortent de la plante des pieds, là où il y a le méridien des reins, le centre de la plante des pieds. Et en même temps, le rayon descend pour entrer dans la terre. Et je vois, je ressens des racines qui sortent de mes orteils, de la plante de mes pieds, du centre de mes pieds, de mes talons. Voilà, des racines or qui vont entrer dans la terre et progressivement elles vont prendre de plus en plus de place sous mes pieds, à l'avant de mes pieds, à l'arrière, vers l'extérieur, à gauche, à droite et vers l'intérieur. Et je demande à ce que tout cet or soit diffusé progressivement entre nous et vers la terre, jusqu'à l'intérieur de la terre. Et je peux poser simplement cette intention à ce que cet or vienne s'infiltrer partout à l'intérieur de la terre. À ce qu'il vienne purifier la terre. L'eau, je peux visualiser l'eau partout sur la terre en demandant une reliance, en appelant les esprits, les ondines, les esprits de l'eau, les esprits de la nature, en demandant à ce que cette méditation soit favorable et générée pour tout le monde, tous les esprits de la nature. La terre, l'eau, le feu, l'air. La vie. En demandant à ce que ces forces qui sont là soient décuplées, quintuplées. Partout, en faisant cela ensemble maintenant. Voilà, je vais demander à ce que cela soit renforcé et je vais vous donner les chiffres de Grabovoi. Vous les visualisez simplement en demandant à ce que ces chiffres entrent et soient programmés sur chacune des personnes présentes. 4, 9, 8, 6, 4, 8, 9. Voilà, je vois ces chiffres apparaître devant moi et je souffle sur ces chiffres.
et je demande à ce que cela se diffuse dans l'air, dans la terre, dans l'eau, dans le feu. Un deuxième chiffre, 5, 4, 8, 7, 4, 8, 9, 7, 8. La même chose, je souffle sur cette série de chiffres. La terre, l'eau, le feu et l'air. Et maintenant, je reste en pause, en ressenti et en alliance pendant quelques minutes en silence, simplement en posant l'intention d'une bonne santé pour tout le monde et toute la Terre. Et en imaginant que des milliers de petites sphères or rayonnantes viennent se poser partout chez les personnes qui sont sur Terre, dans tous les pays, pour progressivement entrer aussi dans la Terre. Et je peux m'aider de mon souffle pour que cela se fasse. Et je demande à ce que le taux vibratoire de la Terre augmente. Et à ce que tout le monde soit en paix et en amour intérieur le plus possible. Le plus justement possible. Voilà. Et je peux, voilà, c'est ce qui m'est montré. Je peux demander à ce que deux sphères en or viennent se poser sur la paume de mes mains. À ce que des guides viennent poser ces sphères d'or et qu'elles rayonnent partout. Et qu'à chaque fois que je poserai ma main ou mes mains sur un objet, sur une personne, cet or ait un effet purificateur, renforçant en santé et en vibration, là, maintenant, à partir de maintenant. Et je remercie les êtres de lumière, les guides, les êtres solaires pour cette méditation. Voilà, je pense que je referai peut-être tous les jours, une fois tous les deux jours, je ne sais pas, des méditations par le Facebook Live. Si c'est ce qui est demandé.